Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Van Kerstein de Planet Total War. J'espère que vous allez bien. Moi ça va et aujourd'hui je vous retrouve sur une nouvelle vidéo de Total War Arena avec Aréminus et ses cavaliers, donc tier 1 toujours, donc comme avec la vidéo que vous verrez avec Kinani. Cette fois-ci je ne suis toujours pas seul, j'ai toujours mon collègue Adichat, salut à toi. Salut, salut. Donc Adichat va garder Germanicus comme lors de la précédente vidéo, donc infanterie, et moi j'essaierai de scouter un peu la map et essayer de choper des unités en fuite ou des archers. C'est un peu ça le plan, n'est-ce pas Adichat? Pendant Oui, qu'Adichat tout lui va faire son, je pense, son gros bourrin et rentrer dans le tas. exact. Je ferme mon Germanicus, quoi, en fait. Donc je te propose qu'on lance la game. Oui, bah, Donc les vas-y. amis, je vous retrouve tout à l'heure sur la map de bataille. À toutes. Donc les amis, on se retrouve cette fois pour la bataille des Thermopyles en compagnie toujours d'Adichat hein, qui a gardé Germanicus Oui. et moi avec Aréminus. Donc dans cette map, on remarque qu'il y a beaucoup d'Aréminus aussi de mon côté, donc plus Bretteur cette fois, enfin deux Bretteurs et un autre cavalier avec moi, c'est plutôt cool. On a un Alexandre le Grand avec Déoplite, trois Kinaner, full archer, donc là l'équipe est plutôt équilibrée. Je sais pas ton avis, Adichat. Elle est plutôt équilibrée, mais encore faut-il qu'on ait une bonne cohésion Oui, d'équipe. sur le papier je suis d'accord, mais sur le terrain ça fera toute la différence. Donc en face on ne sait pas ce qui nous attend. Donc Alors, où veux-tu te placer? personnellement, je vais mettre. Alors, je n'ai aucune idée. Plutôt là, tu vois. Tu te mettrais... Ah ouais, moi je vais me En mettre à haut. côté de toi, sur les falaises. Mais bon, comme je me déplace plus rapidement que toi, je pourrais explorer un peu mieux le monde. Alors, attends, je vais juste déplacer de là à là. C'est pas très. Ouais, moi je me mets derrière, je m'en fous. De toute façon, j'ai la mobilité pour. Oui, t'as la mobilité avec toi. Donc bon, Bah, j'ai du trop. coup. Je vais me déplacer directement dans la forêt. Ouais. Et du coup, ce que je vais faire, je vais te rejoindre aussi. Et enfin, et je vais te rejoindre. Et je remarque aussi à l'équipe des forces qu'on est équivalent. Donc on est 10 hommes d'écart. Donc ils ont certainement une tête de cavalerie en plus que nous. Alors chez nous, on a deux teams de deux. Et pareil en face. Donc ça. Alors, je vais laisser mon ami Pavlik là avancer Ouais, pour laisse le barbare avancer entre guillemets. Quoique, ouais, il a l'avantage dans les bois, donc il se moque un peu des pénalités Oui, bah forestières. justement, c'est pour ça que je. Je sais pas moi si j'aurai des malus de pénalité ou pas. Je vais vérifier. Bon, je pense qu'avec la calèche, je dois en avoir, mais est-ce que le fait que je sois barbare change la donne? Ouais, Je j'ai vais mettre. énormément de malus, donc ça sert à rien que j'aille là-dedans. Ouais. Ah, il y a de Je la vais mettre cavalerie qui va là-dessus. déborder. Oh, je crois qu'on va perdre un archer. À droite. Merthyr, là, il va flanquer John Madrid, bah c'est fini. Trois archers de Ah ouais, mort. c'est fini, ouais. Du coup, oui. Je À sais... moins qu'ils puissent se dépatouiller pour Et le mettre problème, l'archer c'est d'un que... côté, Ouais. l'archer de l'autre pour pouvoir. Non, c'est trop tard. Je vois que... Normalement, c'était faisable. Par contre, au centre, il y a beaucoup d'infanterie romaine qui se montent. Justement, je suis en train de me débrouiller pour aller le plus vite Par contre, possible si au Sun Tzu y centre. arrivait à bloquer la passe, là, ça serait pas mal. Le problème, c'est qu'il y a une autre unité de Romains. Normalement, il devrait avoir l'avantage, mais une autre unité de Romains. Ouais. Alors que la cavalerie de Mertor a réussi à percer. Oui, apparemment Maximus n'a pas l'air très enjoué Ouais. par Ali et son collègue. Moi du coup, je vais essayer de bloquer la cavalerie de Mertor là qui est là. Donc hop. Je vais essayer de la choper. Voilà. Je lui fais un peu de dégâts, mais pas beaucoup. Son flanc. En plus je le flanque. Donc je vais peut-être arriver à le mettre sa cavalerie KO. Qui sait? Ok, moi je vais me reculer parce que je vais prendre Et ouais. trois coups de pilum dans les fesses. Par contre, moi je me replie parce qu'il y a, y a de l'infanterie lourde qui arrive avec d'autres. Donc là, je pense que. Là, on a encore l'avantage numérique, mais c'est un peu compliqué, j'ai l'impression. Oui. Alors moi je garde juste vos arrières parce qu'apparemment. Ah, je Bah. garde les arrières de Paf pour pas qu'ils se fassent Par contre, moi je pourrais flanquer. peut-être flanquer la mêlée centrale si j'ai suffisamment Alors si de. tu peux flanquer, si tu peux arriver par là, j'essaye d'attraper Maximus et prendre Jordi ou un truc comme Ouais, ça, mais je vais essayer prends de flanquer de Maximus, l'autre comme côté. ça justement, Sun Tzu il pourra charger de face avec sa phalange. J'ai encore des. Ah regarde, Maximus est complètement attiré, donc du coup ça me permet d'aller prendre Jordi. Vas-y, vas-y, comme ça moi, par contre je remarque un truc avec Germanicus, Aréminus, pardon, excuse-moi, c'est que je n'ai pas de compétence d'accélération par la charge de cavalerie encore. S'il est lent. T'as pas l'élan? Charge de cavalerie, c'est tout ce que j'ai. Dis-moi quand tu vas charger. Là, je charge. Et je vais essayer de le flanquer.
Avec deux Je charge unités. avec Vas-y, deux je charge unités maintenant. Et là, il va mettre pour toutes. la dernière. Et là, il a fait une erreur de stacker toutes ses unités. Et moi, je vais profiter de la cavalerie pour booster ma charge, essayer de faire un peu de dégâts. Et là, je vais faire pareil avec sur les archers. Voilà. Les archers sont Je charge nettoyés. par derrière avec mon unité. Voilà. Bien joué. Beau travail. Normalement, ça devrait. Voilà, en déroute. Et là, Avec les archers, je mon. t'annonce aussi, sont en déroute chez moi. Par Ok. contre, je vais Bon, du coup, ramener. il ne reste plus qu'une unité. Et là, il faut aller abattre Maximus dans le bois. Et là, je pense que la base ennemie, elle va être ouverte pour nous quasiment. Continue, continue, Alors, c'est je bien. finis juste le petit Jordi parce qu'il faut pas qu'il se reforme, surtout pas. Ouais, je t'annonce que l'archer a été éliminé, par contre. Oui. Et puis après, on va aller aider nos Je vais amis aider qui sont. Maximus déjà. Je vais attendre le dernier moment. Voilà. Le gros de. Hop. J'ai fait 150 morts quand même. Donc bien D'accord. joué pour l'infanterie. Belle Oui, là, cohésion. là. Alors du coup, attention parce qu'il y a une unité à droite, faut faire attention. Je surveille la droite ce qui se passe un peu. Par contre, il faudra certainement retourner à la base. Et, Il va la falloir capa et retourner là, à je la crois base. qu'on a un Germanicus, j'ai l'impression, parce qu'il a capacité. Un Ariminus. Non, un Vercingétorix, pardon. Parce que j'ai vu la capacité de Arras. Et je me demande si c'est pas Vercingétorix seulement qu'il l'a. Donc je t'annonce que Alors Maximus, attends. c'est terminé. Là, il y a une unité qui va sur directement les archers alliés, mais apparemment il y a une unité d'oppli qui est là pour les Ok. intercepter. Donc normalement ça devrait aller. Alors par Ouais. contre, t'as une unité, fais gaffe, qui est En armée. avant. Oui, j'ai vu. En fait, je l'avais laissé là au cas où en éclaireur. Et moi je me dirige vers. Alors par contre, va falloir vite de l'aide sur la gauche, je Ouais. pense. Par Je contre, pense ils que ont c'est là que énormément tu vas aller. d'archers de ce que j'ai vu. Soit je me dirige vers la gauche et je viens les aider, ou Je vais alors. m'occuper, je vais traquer Mertor. Il va être menaçant avec sa cave, j'ai l'impression. Et si après j'arrive à intercepter. Par contre, il y a un gros coup à faire là, Gerb, ça serait d'intercepter les archers. Oui, mais encore faut-il de passer la barrière de Justement, avec. Germanicus à Jacob ou Par contre, Odin, son archer, il peut dire adieu s'il fait gaffe à la cave. Il y a Ah putain, ça va être con. Zamsu qui se dirige vers les cavaliers Ok, et bah, qui dirige laisse le hopli de vers. fer. Hopli de contre cavalier, normalement, ça passe. Et là, je flanque. Alors, moi je pense que je vais envoyer une unité, je vais envoyer mon général vers la base ennemie et je Ouais. vais envoyer deux autres, un détachement de deux Donc, du coup, unités. Merter, il a encore sa cave là. J'ai Anantine de ses caves qui est dans le bois là. Normalement, ça devrait être terminé sous peu. Voilà, je vais aller aider. Par contre, ouais, là c'est réglé. On est à 1500 contre 960. Donc, avantage numérique en notre faveur. Mais c'est pas encore gagné avec la position haute. Et là, Jacob, du coup, il a fait une grosse erreur, c'est qu'il s'est rabattu du coup sur escorte, et il aurait dû, je pense, garder sa position pour qu'on puisse l'aider plus Ouais. facilement. Mais du coup, là, ce que je peux faire, je peux aller aider Garbe avec ses restants de cadrés, avec ma cave. Justement pour la flanquer. Oh, il y a une cavalerie qui arrive derrière mon cul. C'était pas cool, ça. Ouais. Alors attends, je regarde quelle cavalerie de char. Ah, celle-là encore, la charge, celle de mon. En plus de mon général Ariminus. Si j'arrive dans le dos de Mertor, je pense que c'est fini pour lui. Mais je vais attendre un peu avant de charger. Pourquoi? Parce que voilà quoi. Ah bah, quoique. Finalement, j'ai rien dit. J'ai dit du caca. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Je vais tenter d'y aller, hein. Hop, on charge. On va intercepter cette cave. Bon. Ah oui, oubliez que aussi le décor vous fait des dégâts aussi quand vous chargez dedans. Hein. C'est bien fait ce truc-là, je trouve. Bon. Est-ce que je. Attends, je vais essayer de flanquer Spartan Mina. Normalement, il n'a pas d'autres unités de ce que j'ai vu. Et je pourrais choper les archers. Je Oula. chope La les base est archers. attaquée. Il va falloir amener de la cave. Alors nous, on attaque du coup la base aussi. Je vais Ok. commencer à Et t'aider. du coup, moi, je suis en train d'arriver dans le dos des archers. Je pense que tu devrais du coup prendre un détachement pour Ouais. aller directement. Bah, j'envoie deux détachements à la base, justement, pour vérifier ce qu'il y a. Comme je suis le plus rush et le plus mobile. Donc, j'annonce que. J'ai fait 200 morts quasiment, j'ai perdu 4 hommes. Avec de la cave, ce qui est plutôt honorable. Et puis moi du coup je vais Ah me non, on va pas encore diriger. se faire voler comme tout à l'heure, ça, je Ah refuse. ouais non, ça oui. C'est un. C'est un. Ça... J'envoie mon ancien détachement du coup et j'ai une unité Et qui est je à vais la rentrer par base. deux côtés du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est un archer! Oh putain, il a deux. Oh, il y a du monde en fait. Il va me falloir un coup de main là. Oui, je suis en train d'arriver. Je pense que tu peux essayer de les flanquer, bah au moins de Oh, attends, il y ralentir. a une autre T'es unité, t'es obligé de sérieux? ralentir et de te. De me sacrifier un peu?
Ouais, je pense que t'es obligé de te sacrifier un Ok. peu, au moins d'essayer d'avoir les archers. Normalement, tu passes au travers, donc avec une Ouais, chapelle. ah, j'ai Mais enfin, fait. si tu fonces dans le mur, ça va Oui. pas aller. Par contre, il se dirige vers une de mes unités qui est justement dans le mur. Je vais pouvoir en profiter et charger dans le tas. Voilà. Donc, par contre, j'ai sacrifié mon unité de cavalerie là qui vient de se. Hop. J'essaye de faire de mon mieux. On est en train de capturer, du coup, on a une unité J'essaie de de tenir capture. comme je peux parce que voilà. Il me reste une unité de cave encore, ça va être compliqué. Je vais essayer d'aider dans le dos. Ah, il a utilisé un Vidi, c'est un César. Du coup, là, je ralentis au maximum comme je peux. Je vais perdre ma cave, mais je vais essayer de vous faire ralentir un maximum. Je suis en train d'arriver, j'ai deux unités qui sont en train d'arriver. Par contre, si ma carré pouvait arrêter de faire de la merde, ce serait cool. Et je vais essayer de charger par la droite. Je vais avancer avec le momentum. Et je vais charger dans les deux unités d'archers pour faire encore un beau Bah, du coup, nous moissonnage. on a l'unité, enfin la base ennemie qui est free, il n'y a personne dedans. Et là, du coup, je vais essayer de charger là-dedans. Si ça passe, et je vais encore me louper ma charge, super. Par contre, j'ai flanqué J'arrive, l'archer. je suis en train d'arriver. Je vais pas, je crois que je vais mourir, hein, je le dis honnêtement. Ouais, je prends Je fais une extrême. charge d'infanterie pour aller essayer d'aller plus vite, du coup. Ouais. Je me replie pour le moment, j'essaye d'attirer le feu sur moi, mais c'est compliqué. Alors normalement, si j'arrive, normalement j'arrive dans le. Dans, on capture plus vite qu'eux. Hein. Ça c'est Ouais. déjà un. Mais je vais replier mon unité, elle a perdu assez d'hommes. Alors essaye de faire une dernière charge dans leur tas. J'ai pas, je peux pas encore, pourquoi? Parce qu'il me faut encore 30 secondes. Normalement on gagne avant eux et en Oui, plus j'emmène une on a le unité pour nombre. aller. Je pense que cette bataille est nôtre. Oui, carrément. Enfin, attention au focus, au tir. Bah, GG en tout cas pour cette bataille. Oui. Là, je suis content de ma game personnellement. À part les quelques. Personne. Oui, bah moi aussi, je fais des bons dégâts. À part les charges dans le mur, mais bon, après, j'ai réussi à rattraper. Oui, la charge dans le mur. Donc, je gagne de l'argent. Oh, mes cavaliers qui ont bien expérimenté. Et je t'annonce que tu es troisième de la game avec 244 morts. Et je suis quatrième avec 220 pertes. Ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà. Ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez suivre aussi Adichat sur sa chaîne YouTube. Hein. Bon, vu qu'il la reprend, donc. Il va se remettre au Total War, si j'avais bien compris, et d'autres jeux certainement. Exactement. Donc voilà. Salut à toutes et à tous, c'était Kaiser von Kerstein en compagnie d'Adisha sur Total War Arena. Au revoir les amis. Salut à tous.